Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va nettoyer absolument toutes mes brosses. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais mettre toutes les brosses dans ce seau. Voilà. Dans ce seau-là, je vais mettre de l'eau avec de la lessive, le chat, voilà. Et un peu de Tinol pour bien désinfecter les brosses. Et puis, je vais vous montrer tout ça juste après. Mais déjà, je vais déjà tout sortir. Et tout trier. Je viens de tout vider, de mettre toutes les brosses dans ce seau là. Donc il me reste des produits. Il me reste les pinceaux, mais ça je les laverai autrement. Il me reste les produits, les pinceaux. Cette brosse là elle est neuve, du coup je vais pas la laver. Et un pot de. Donc là j'ai toutes mes brosses qui sont dégueulasses. Hein, très clairement on peut le dire. Pourtant ça l'a jeté jamais en plus. Enfin, bref, voilà. On a. Du coup, vu que le seau est un peu plein, je vais prendre un deuxième seau. Et puis, on va remplir les seaux d'eau et puis voilà. Un demi-bouchon de lessive par seau. Voilà. Et voilà. Hop là. Une dose de Sanitol par seau. Commencer par rincer juste à l'eau les brosses afin de retirer les poils et voilà, et après je vais mettre les brosses dans les deux seaux que j'ai préparé juste là. Vous pouvez voir, je viens de me rendre compte, j'ai trois fois la même brosse à crin et deux fois la même étrille américaine, mais bon c'est pas grave. Une brosse, mais j'ai quand même choisi toutes les brosses. Après, je retire les poils qui sont dedans. Donc, je tape par terre et il y a tout qui part. Et après, hop, on retire à la main les quelques crins qui restent et hop, dans le seau. Voilà, et je vais faire ça pour absolument toutes les brosses ici présentes. Sauf les cuirs, puis je vais directement les mettre dedans parce que ça n'a rien de les taper. Voilà. Donc, là, maintenant que j'ai mis mes brosses à tremper. Je vais mettre les mains dedans et je vais frotter toutes les brosses avec l'eau. Et je vais les laisser tremper le temps de manger. Et après, je les sortirai, je les mettrai à sécher. Et quand elles seront secs, on fera ensemble ma boîte de pansage et mon sac de pansage. Bon, du coup, là, ça a trempé pendant 40 minutes. Donc, je vais les frotter. Je vais nettoyer, je vais les sortir, les rincer et après les faire sécher. Vu qu'il fait chaud, je pense que ça va sécher assez rapidement. J'ai regardé celle-là, elle était toute blanche là, alors qu'elle n'était pas du tout blanche avant que je la mette. Voilà. Enfin, bref, même là, celle-là, c'est bien désincrusté. J'avais peur que ça ne s'incruste pas. Ça s'est quand même bien désincrusté. Ça se met pour sa pied, donc elle était dégueulasse. Enfin bref, voilà. Et là c'est déjà quasiment sec. Donc voilà, c'était pour le nettoyage de mes brosses. Je vous laisse avec la prochaine vidéo pour vous présenter ma boîte de pansage.